Ce monde, il y a deux manières de vivre. Les rationalistes contemplateurs s'appliquent à la connaissance. Et ceux qui pratiquent l'union s'appliquent aux œuvres. Mais en n'accomplissant aucune œuvre, l'homme n'est pas oisif pour cela. Et ce n'est pas par l'abdication que l'on parvient au but de la vie. Car personne, pas même un instant, n'est réellement inactif. Tout homme malgré lui-même est mis en action par les fonctions naturelles de son être. Celui qui, après avoir enchaîné l'activité de ses organes, se tient inerte, l'esprit occupé des objets sensibles et la pensée errante, on l'appelle faux dévot. Et celui qui, par l'esprit, a dompté les sens et qui met à l'œuvre l'activité de ses organes pour accomplir une action tout en restant détaché, on l'estime. Fais donc une œuvre nécessaire. L'œuvre vaut mieux que l'inaction. Sans agir, tu ne pourras pas même nourrir ton corps. Hormis l'œuvre sainte, ce monde nous enchaîne par les œuvres. Hormis l'œuvre sainte, ce monde nous enchaîne par les œuvres. Cette œuvre donc, exempte de désir accompli là. Lorsque jadis le souverain du monde produisit les êtres avec le sacrifice, il leur dit, par lui multiplié, qu'il soit pour vous la vache d'abondance. Nourrissez-en les dieux et que les dieux soutiennent votre vie. Par ces mutuels secours, vous obtiendrez le souverain bien. Car nourris du sacrifice, les dieux vous donneront les aliments désirés. Celui qui saint leur en offrir d'abord mange la nourriture qu'il a reçue d'eux est un voleur. Ceux qui mangent les restes du sacrifice sont déliés de toutes leurs fautes. Mais les criminels qui préparent des aliments pour eux seuls se nourrissent des péchés. En effet, les animaux vivent des fruits de la terre et les fruits de la terre sont engendrés par la pluie et la pluie par le sacrifice. Le sacrifice s'accomplit par l'acte. Or,
sache que l'acte procède par le Créateur, l'origine de l'origine, l'Éternel. C'est pourquoi c'est l'Éternel, Créateur, qui pénètre toutes choses et toujours présent dans le sacrifice. Celui qui ne coopère point ici-bas à ce mouvement circulaire de la vie et qui goûte dans le péché les plaisirs des sens, celui-là vit inutilement. Mais celui qui aura dans son cœur et content de lui-même trouve en lui-même sa joie, celui-là ne dédaigne aucune œuvre, car il ne lui importe rien, car il ne lui importe rien. Qu'une œuvre soit faite ou ne le soit pas, et il n'attend son secours d'aucun des êtres, et il n'attend son secours d'aucun des êtres. C'est pourquoi toujours détaché, accomplir l'œuvre que tu dois faire, car en la faisant avec abnégation, l'homme atteint le but suprême. C'est par les œuvres que Janaka et les autres ont acquis la perfection. Si tu considères aussi l'ensemble des choses humaines, tu dois agir. Selon que agit un grand personnage, selon qu'agit un grand personnage, ainsi agit le reste des hommes. L'exemple qu'il donne, le peuple le suit. Car si je ne montrais une activité infatigable, car si je ne faisais mon œuvre, je ferais un chaos et je détruisais ces générations, notre génération. De même que les ignorants sont liés par leur œuvre, qu'ainsi le sage agisse en restant détaché pour procurer l'ordre du monde, qu'il ne fasse pas naître le partage des opinions parmi les ignorants attachés à leur œuvre, mais que s'y livrant avec eux, il leur fasse aimer leur travail. Toutes les œuvres possibles procèdent des attributs naturels des êtres vivants. Celui que trouble l'orgueil s'en fait honneur à lui-même et dit: je suis l'auteur. Mais celui qui connaît la vérité, cherchant faire la part de l'attribut et de l'acte, se dit: c'est la rencontre
des attributs avec les attributs. Et il reste détaché. Yes, il reste détaché. Ce que troublent les attributs naturels des choses s'attache aux actes qui en découlent. Ce sont des esprits lourds qui ne connaissent pas le général. Que celui qui le connaît ne les fasse pas trébucher. Mais ceux qui murmurent, ne les observent pas, sache que déchus de toute science, ils périssent privés d'intelligence. Le sage aussi tende à ce qui est conforme à sa nature. Les animaux suivent la leur, à quoi bon lutter contre cette loi? Il faut bien que les objets des sens fassent naître le désir et l'aversion. Seulement que le sage ne se met pas sous leur empire, puisque ce sont ses ennemis. Il vaut mieux suivre sa propre loi, même imparfaite, que la loi d'autrui, même meilleure. Il vaut mieux mourir en pratiquant sa loi, la loi d'autrui a des dangers. Il nous détruit. Connaître les autres, c'est une sagesse. Connaître soi-même est une illumination. Quand les autres en soi, profondément intérieur de soi, la voix de sagesse s'ouvre devant soi. Connaître les autres, c'est une sagesse. Connaître soi-même est une